de sketch ce soir. Il y a des mauvaises ondes, on dirait. Bon, du coup, ça se reconnecte un petit peu pour tout le monde. Allez. Voilà. Bien. Allez, je suis là avec vous ce soir. On est ensemble et on va commencer par des step touch. Go, go, go. Ok, merci de me dire si tout est ok pour vous. Merci, merci et je m'excuse. Allez. Parfait. Main sur les épaules et roulez ici les épaules. Extérieur. Ok, reprends. Genoux.
corps. Les deux bras au-dessus du genou. Flexez dans les coudes. Allez, un peu de coordination. Toujours OK pour vous. Cette fois-ci, les bras vont vers le ciel. Voilà. Montez le genou, déplacez le poids du corps encore. Restez tranquille ici. Déplace toujours. Et on va faire deux répétitions. Jambe gauche, deux. Et droite, deux. Et gauche, deux. Les bras placés. Deux. Ok, encore. Tiens les bras. Ne lâche pas. Éloigne bien les épaules des oreilles. Et on fait 4 répétitions sur le côté. 4, 3, 2 et 4. De l'autre, 4, 3, 2, 1. On rajoute ici encore 4 avec le bras au côté. 2, changez. 4, 3, 2, 1. Dernière fois, 4, 3, 2, 1, changez. 4, 3, 2, 1, et 8. Allez. Tac, pam, pam, pam. Plus de 4. Chut. 2, changez côté. Chut. Encore. 5, 6, 7, 8. Encore. Change. Solide. On a sur le tas. Plus de 4. On amène bien le genou vers l'intérieur. Changez. Et. Petit rebond. On décolle pas partout. C'est juste une suspension. 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 De l'autre côté. Suspension. Suspension. Respire. Et sinon, reste ton sol, on ne passe pas. Souffle. 6. 7. 8. On reprend basique. Basique. 4. 5. 6. 7. 8. Ouvre ici et inspire. Vous laissez les épaules vers l'arrière. Continuez encore. On est bon là. Allez, allez. Souffle. Encore monte. Et enroulez la tête. Les épaules. Et on déroule le dos. Inspire, grand. Descends, roule le dos. Continue. On reste en bas ici. Flexion de la jambe gauche. Main droite. Souffle. Et on transfère. Flex. 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 Encore. Flex. 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 Allez, tu restes à gauche. Et tout petit rebond. Descends le bassin. Changez de côté, on reste. 8, 7, 6, allonge bien dans les adducteurs. 4, 3, 2, change. Et 8, allez, très dans la cuisse, très dans le talon gauche. Change. Descends. Reste le talon dans le sol, décolle les orteils. Et changez. 4. Allez, je prends la cuisse. 2. Change. Et 4. Change. Et 2. Change. 2. Change. Stop. 2. Stop. 2. Youhou. Et ch. Encore. Et 1. 2. 3. 4, 1,
pas. Super. Hey. Shh. Pas. Shh. Pas. Shh. Pas.
par ici. Le haut, temps bas. C'est que les épaules, que les bras. Bon. Bien la jambe droite. On reprend cette jambe. On revient dans l'axe. On ouvre le côté gauche. On flexe. On plie les épaules. Flexion du cul. Et. Encore. Six, cinq,
Amène-les mains à côté des épaules. Pousse le long du bassin pour ouvrir tes bras. Donc la cheville serre. Ok. On monte les bras vers l'avant. On ouvre les bras. Juste nos fessiers. Et on les glisse. On pousse. On ouvre grand dans les dorsaux. On ramène à côté. Expire. Chut. Allez, ça chauffe dans les cuisses. On descend jusqu'en bas. Et on ramène. Serre les fessiers. Lâche rien. Poids du corps sur les talons. Très grand. Ramène. Souffle. Inspire. Serre. Encore. Grand. Continue. Serrez les fessiers. Allez, toutes deux encore comme ça. Grand, grand, grand. On lâche rien. Souffle. Reste ici. Placé. Ramène les mains. Et petit concentrique. Poids du corps sur les talons. Essayez de détendre. Tout petit. Allez. Thank you.
ça va les bras en l'air, concentrique. Presse. Serre les abdos. Ok, je reste ici. Je fléchis le buste vers l'avant. Je place mes mains au sol, j'ai les jambes bien pliées. Et j'allonge, j'allonge, je ne bouge plus. Allez, résiste. Pousse sur les mains. Bombe le haut du corps. Contracte bien tourner dans la colonne vertébrale. Reste les mains dans le sol. Tous les doigts. Poussez ta main vers le sol. Prêt? Soit tu plies, tu sautes. Soit tu marches et tu reviens. Ok. On reprend le dernier. Jambe droite, jambe gauche pour les fentes. 1. Allez. 6. Souffle. J'espère pouvoir garder un petit moment pour faire une petite séquence d'abdos. Séance un peu raccourcie avec les aléas du direct, mais intense. Avec la respiration. Allez, on reste ici. On place les bras. Et je tends, je monte les bras. 1 et 2 et 3. Restez ici. D'accord, ramenez les bras ici et c'est l'inverse. Quand vous tendez les jambes ici, vous poussez les bras vers l'arrière et je reviens. 2. Poussez les coudes vers l'arrière. Engagez les triceps. Contracte. Allonge. Voilà. Et maintenant, je reste en isométrie. J'ouvre les bras. Je vais chercher le ciel et je reviens. Pousse ton vers la colonne vertébrale. Allez, souffle. Reste en l'air. Allez, concentrique. Pressez tous les orteils dans le sol. Encore. Serre bien le nombril dans la colonne vertébrale. Relâche pas les lombaires. Ok, flexion du buste. En avant. On pousse la jambe qui est devant. Loin derrière soi. Et le pied rejoint. Ok. Si ça ne va pas, vous déposer le genou au sol, ok? Sans lâcher le dos. Amène bien ici. Serrez les fessiers. Pousse les talons vers le sol. Ferme bien les doigts. Si ça va, vous pliez les genoux pour faire une impulsion. Ramenez les pieds entre les mains ou vous marchez les pieds entre les mains. Et déroulez le dos. Ok. Très bien. Allez, ouverture des hanches. Plein de taille. Changez. Allez, récupération active. Souffle. Reviens. Prends conscience de ce que tu fais. Montez le bassin, serrez les abdos.
On revient sur son centre.
allonger les jambes, installer ici les mains devant soi. Et là, on va essayer de se faire un enroulé complet. C'est-à-dire que j'inspire, je décolle mes omoplates. Et je continue ici vers l'avant. Et j'expire. Je dépose tout ça sur le sol. Et j'inspire. Jusqu'au bout. Et j'expire. Allez, déroulez bien le corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu restes en bas, tu montes tes pieds vers le ciel. Tu mets tes mains dessous le bassin. Allez, tes pieds sont accrochés vers le plafond. Les genoux peuvent être pliés. Mais j'ai bien les pieds vers le plafond. Ok? Vous pouvez bien ici les lombaires. Inspire. Tu suspends légèrement le bassin au-dessus des bras. Et tu reposes. Attention, on n'est pas dans le balancer, hein, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment, c'est tout petit. J'utilise vraiment les muscles profonds du bassin, le bas du ventre pour suspendre les pieds et reposer. Suspendre le coccyx et reposer. Voilà, hop, contracte. On a déjà suspendu le bassin au-dessus du sol avec les mains. Allez, on en fait 12. Hesh. On va se poser dans un stretch. Ok. Bien, allez, chacun ici, vous allez vous rester allongé pour l'instant sur le dos, ok? Tranquillement. Vous allez juste aller ramener le genou droit contre vous. Et décoller le fessier, le talon du fessier.
fessier et allez installer vos mains derrière la cuisse avec cette intention de rapprocher la cuisse du buste. Et chacun pour soi, vous allez chercher peut-être attraper le mollet ou le pied. Bref, cherchez cette extension dessous la jambe tout en restant confortable dans le dos. Mettre de l'air dans les muscles des ischios, les mollets. Ouvrir le dos sur votre tapis. Et cette même jambe, vous allez la replier. Et vous allez cette fois-ci poser votre pied droit sur la cuisse gauche avec une ouverture de hanche. Et vous allez décoller le pied gauche pour aller rapprocher. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous puissiez voir, voilà ici. Hein, pour étirer dans le fessier droit, le fessier de la jambe qui est posé sur la cuisse. Et si ça va, vous pouvez tendre cette jambe ici gauche. Alors vous, c'est peut-être la droite, hein, je ne sais pas. Et ramener si ça va pour attraper le mollet ou le bout du pied, comme vous voulez, chacun avec ses possibilités. Descendez bien les omoplates dans le sol. C'est bien descendre le bassin aussi dans le sol, n'enroulez pas trop le bassin. Allez, on va replier tout ça. Ramenez à nouveau le genou contre vous. Et on va poser le pied droit au sol et l'allonger complètement. Bien. On va ramener le genou gauche contre soi. Souffle bien. On va faire de l'autre côté. Alors, soit vous pliez le pied droit, vous restez genou fléchi à plat, vous restez allongé, vous développez cette jambe. Vous venez attirer toute cette chaîne postérieure. Allez, descendez bien dans le sol. Trouvez le calme dans votre respiration. Pensez à relâcher les muscles de la cuisse pour bien les mobiliser, les muscles derrière la cuisse. Repliez cette jambe et ouvrir la hanche pour déposer ici le pied sur la cuisse. Décollez le pied droit pour rapprocher le genou de l'épaule et allez ici vous installer les mains dessous l'articulation du genou. Et cherchez, hein, chacun pour soi, si vous avez envie, vous allez dans d'autres sensations, allongez les jambes. En gardant votre hanche gauche ouverte. Gardez bien la main gauche ancrée dans le sol.
et cherchez une respiration abdominale. Centrez votre attention dans l'épaule, dans le haut du corps. Pas de tension dans le dos. Ok, si vous avez glissé votre jambe vers l'arrière, vous rebasculez ici votre jambe vers l'avant, rentrez le bassin. Revenir tout déposer dans le sol, rebasculer la tête, rangez votre bras droit. Ouvrir le bras gauche et à l'inspire, tu appuies sur la main droite pour décoller l'épaule droite et aller ici t'installer dans l'ouverture de l'épaule. Ok, pour le retour, tu ramènes ici le pied droit sur son axe, tu repars vers l'intérieur. Tu ranges les deux mains ici, tu vas poser la tête sur les épaules, sur les mains, pardon. Gardez les avant-bras dans le sol, on va juste décoller les épaules et poser votre regard loin, loin, loin au bout du tapis. Gardez bien le pubis collé au sol. Les cuisses dans le sol, les coups de pied, protéger les lombaires en ramenant bien le nombril vers la colonne vertébrale et ouvrir ici le plexus solaire au bout des mains, vers les mains. Si ça va, on va rapprocher les mains ici, repousser le sol, décoller le bassin et ramener les fessiers vers les talons. Enclenchez une respiration, je dirais plutôt thoracique. Cherchez vraiment la respiration dans le dos, dans les côtes. Et laissez résonner ce mouvement des côtes dans l'ouverture de vos vertèbres, de votre colonne vertébrale. Jouez sur ces insertions. Prendre de la place dans tout le dos. Allez, revenir ici, les épaules tout de suite, ramener le bassin vers le plafond et vous allez tranquillement pour vous ramener les mains vers les pieds, relâchez bien la tête, attrapez les coudes et laissez balancer le poids du corps, pas de contrainte, vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez, gardez le menton vers la gorge. La tête rentrée entre les mains. Juste se laisser aller, balancer, traverser de la cheville droite à la cheville gauche. Stabilisez progressivement ce mouvement. Pliez bien les genoux et puis allez d'abord ranger votre bassin pour dérouler le dos, installez bien le bas du dos. Roulez vos vertèbres, vos épaules par au-dessus du bassin, tendre les jambes. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez. Inspire, attrapez ici la tête, juste une petite inclinaison, tout petit. Allez placer la main gauche derrière le dos. Tout petit ici. Et revenir sur votre axe. Inspire, changez. La main derrière le dos, laissez de la place entre l'oreille et l'épaule. Et restez tranquille. Ok, libérez vos épaules. Et il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Alors, désolée encore pour ces petits soucis techniques, mais...
Voilà, bah, n'hésitez pas à profiter en replay pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et bravo à tous pour cette séance. Vous pouvez vous féliciter. Bravo! Allez, ciao, à bientôt!